Et salut tout le monde! Comme tu le sais, Roger Federer est devenu le joueur le plus âgé à devenir numéro 1 mondial à 36 ans et 6 mois. Performance exceptionnelle du Suisse et totalement méritée, sachant que sur les 12 derniers mois, il a décroché 3 titres du Grand Chelem. Et c'est pourquoi beaucoup pensent qu'il pratique sans doute le meilleur tennis de sa carrière. C'est d'ailleurs peut-être ton cas, toi, derrière ton écran, tu te dis « Waouh, Federer, il a sans doute jamais aussi bien joué de sa vie ». On constate qu'il y a 3 arguments principaux qui reviennent pour étayer un petit peu cette théorie. Et du coup, dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça. C'est parti, let's go! Donc on commence tout de suite avec le premier argument, son retour à la compétition après un arrêt de 6 mois. Le 26 juillet 2016, il met un terme à sa saison suite à un genou toujours douloureux. Il avait déjà subi la même année une arthroscopie du genou. Du coup, il était passé de la 3e place à la 17e place mondiale. Il a signé son retour en janvier 2017 où il s'impose à l'Open d'Australie. Et derrière, on connaît tous la suite. Par contre, ce qu'on oublie un peu, c'est qu'avant son arrêt, il était sur une très très bonne dynamique. Si on met de côté son année blanche de 2013, entre 2014 et 2016, il participe à 10 tournois du Grand Chelem. Et 8 fois sur 10, il va au moins en quart de finale de ces tournois. Seuls 2 joueurs l'ont stoppé avant, Andreas Seppi à l'Open d'Australie et Ernest Gulbis à Roland-Garros. Si on va un petit peu plus loin dans ses stats, on constate qu'au moins 7 fois sur 10, il va au moins en demi-finale. Et 3 fois sur 10, il va en finale. Donc voilà, c'est quand même de très très bonnes stats qui montraient qu'il était quand même dans une très bonne dynamique. D'autant plus qu'en 2016, le Suisse participe à 2 tournois du Grand Chelem et sur ces 2 tournois du Grand Chelem, il va en demi-finale et notamment à Wimbledon, où il perd contre Raonic en 5-7 alors qu'il avait mené 2-7 à rien. Donc voilà, c'était vraiment un match serré. Et derrière, s'il s'était imposé, on ne sait pas, peut-être en finale contre Murray, il aurait pu gagner. Donc certes, il y a eu cet arrêt de 6 mois, mais avant, il faut quand même rappeler que le Suisse était déjà dans une très très bonne dynamique et qu'il était dans des meilleures dispositions avant son arrêt qu'un Rafael Nadal ou qu'un Novak Djokovic par exemple. Donc on poursuit tout de suite avec le deuxième argument, un Roger Federer beaucoup plus agressif. On nous parle notamment de son tamis beaucoup plus grand, de son néo-backhand avec ce revers qu'il prend beaucoup plus tôt, où il refuse de reculer. C'est vrai que ces temps-ci, c'est beaucoup plus visible, cette agressivité chez le Suisse et cette prise de balle précoce. Mais je rappelle quand même quand il avait commencé sa collaboration avec Stefan Edberg en 2014, là aussi il avait montré ses intentions de prendre la balle beaucoup plus tôt. Même en 2015 où il met en place son sabre, donc son Snake Attack by Roger, où il a pour but de faire un retour en demi-volée pour derrière suivre au filet. Ça montre clairement ses intentions de jeu qu'il avait déjà. De plus, il y a de nombreux matchs dans le passé où on a vu un Roger Federer très très agressif. Par exemple, contre Andy Murray lors de sa demi-finale à Wimbledon 2015, qu'il gagne en 3-7 en jouant un tennis de rêve, mais également contre Novak Djokovic. Ils se sont joués 15 fois entre 2014 et 2016. Federer l'a emporté 6 fois sur chacune de ses victoires, certes en 2-7 gagnant. Il a su être agressif et déployer le jeu qu'on lui connaît actuellement. Par exemple à Dubaï 2014, à Shanghai 2014, à Dubaï 2015 ou encore à Cincinnati 2015. Même aux ATP Finals, lors des phases de poule en 2015, il prenait vraiment cette balle très très tôt. Il montrait clairement ses intentions de monter au filet. Le seul problème, c'est qu'il n'arrivait pas à tenir physiquement ce niveau de jeu au meilleur des 3 sets contre le Serbe. Mais il savait être agressif. Et en 2014-2015, c'était bien Federer la principale menace pour Djokovic. Tout ça pour dire que son style de jeu très agressif n'est pas tant une nouveauté que ça. J'ai d'ailleurs comparé des stats sur dur entre 2014-2015 et 2017-2018 et on constate qu'elles sont similaires. Donc ça montre vraiment qu'il a un style de jeu très proche de ce qu'il produisait avant son arrêt. On passe tout de suite au troisième argument, le fait que Roger Federer ait repris le dessus sur Rafael Nadal, sa bête noire. Je suis un peu mitigé sur ma réponse, sachant que d'une part, oui, c'est vrai, il reste sur une série de 5 victoires consécutives et surtout, il reste sur une série de 6 sets remportés sans avoir perdu une seule fois à son service. Mais de l'autre côté, certes, Federer était dominé, mais il n'était pas non plus mené 23-0 contre l'Espagnol. Federer s'était déjà imposé contre Nadal, notamment sur dur. Par exemple aux ATP Finals 2011 ou à Indian Wells 2012 où à chaque fois il s'était imposé en 2-7. Le Suisse avait deux problèmes majeurs contre l'Espagnol. Le premier c'était de jouer Nadal sur terre battue et le second c'était de jouer Nadal en Grand Chelem, donc au meilleur des 3-7. Pour le premier, ben, c'est assez simple sachant que Federer n'a pas joué la saison sur terre battue et lui-même l'a dit, ça lui a fait le plus grand bien, ça lui a permis de rester dans sa bonne dynamique contre Nadal, sachant qu'il n'a pas eu de baisse de confiance en perdant contre l'Espagnol sur terre battue. Et pour le deuxième
Problème, bah, ils se sont joués une seule fois en Grand Chelem, c'était à l'Open d'Australie 2017 et ça a fait 5-7. Est-ce que c'est suffisant pour tirer des conclusions sur cette nouvelle tendance? Difficile à dire. C'est un petit peu comme si on disait après la victoire de Donskoy à Dubaï contre Federer que le russe était forcément meilleur que le suisse. On se calme, je rigole. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien voir les deux joueurs s'affronter à nouveau en Grand Chelem pour savoir un petit peu si cette tendance est confirmée ou pas, et de préférence sur dur, parce que voilà, sur gazon ou sur terre, ça joue clairement la faveur de l'un ou l'autre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la question. Comme tu l'auras compris, pour moi, le Federer qu'on a en 2017 et 2018 est à peu près le même que celui qu'on avait en 2014-2015 en termes tennistiques. Donc après, c'est vrai qu'il y a quelques facteurs qui peuvent donner cette impression. Le premier, ben, c'est tout simplement que Federer, il n'est pas joué sur terre battue en 2017. Donc outre le fait que ça lui donne plus de temps pour récupérer, ça lui permet également d'avoir en moins des défaites qui pourraient faire tâche sur son bilan annuel. Et l'autre, ben, c'est le fait qu'on est dans une période actuelle de transition chez le tennis masculin avec pas mal de joueurs blessés et d'autres joueurs qui mettent du temps à faire leur nid et qui ne confirment pas tout à fait ou qui font une perf et derrière ont du mal à enchaîner. Ce qui fait que ben, depuis plus d'un an, ça profite à Rafael Nadal et à Roger Federer pour notre plus grand bonheur. En tout cas, c'est tout à l'honneur du Suisse de lui se montrer régulier avec les années qui passent. Et c'est vraiment exceptionnel ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire gagner 3 titres du Grand Chelem à 35 ans passés. Et encore, il ne va sans doute pas s'arrêter en si bon chemin. Donc n'hésite pas dans les commentaires à débattre sur chacun des points cités. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Tu peux également cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. Donc comme ça, tu ne manqueras plus rien des prochaines actualités. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Nous, bah, on se retrouve très très vite pour parler tennis. Et d'ici là, bah, porte-toi bien. Allez, ciao ciao tout le monde.